l'implant, donc il est constitué donc d'une membrane qui est microstructurée à base de silicone, avec une base, et à l'intérieur, il y a du gel de silicone. Maintenant, ce que je veux faire, je vais faire une petite ponction pour vous dire qu'il y a une rupture, comment l'implant se comporte et le gel, comment il se comporte. Je vais faire une coupée. Je vais appuyer, le gel il sort et puis il rentre. Voilà, on appuie très fort, ça c'est le gel qui sort, il y a une rupture. Et puis ça revient. Donc ça c'est le gel de silicone. Maintenant je vais inciser complètement. Donc, quand c'est complètement coupé, là, ça c'est la membrane, ça c'est le gel. Donc là, je vais encore couper complètement. Je vais le couper en deux. Donc, même si on le coupe en deux, ça reste du gel, ça ne va pas partout, ce n'est pas du liquide. Donc, ça reste concentré. Voilà, coupé en deux. L'intérieur, c'est du gel, l'extérieur, c'est du silicone. C'est la membrane de silicone. On peut faire comme ça. Des prothèses qui sont bien fabriquées, parce que même s'il y a une rupture, même s'il y a une ouverture, c'est un gel qui reste localisé, qui ne va pas du tout se retrouver partout. Ce n'est pas du liquide, ça reste concentré. Et donc ça c'est sécurisant à la fois pour le chirurgien et pour le patient. Rempli avec des gels de silicone, c'est des prothèses qui sont sûres pour l'organisme. D'une part parce qu'ils sont remplis avec du gel médical et qui est bien toléré par les tissus humains. Et deuxièmement, ça reste un gel, même s'il y a une rupture, le gel reste localisé, il ne va pas se répandre partout. Il va être dans un premier temps protégé par la capsule que le corps a fabriquée. Et même s'il va au-delà, donc il reste très bien toléré par l'organisme.